Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour et bienvenue à cette causerie virtuelle qui va porter sur la profession enseignante. J'aimerais dire bonjour à toutes les étudiantes et tous les étudiants universitaires qui nous écoutent présentement, que vous soyez dans l'Est de l'Ontario, dans le Nord ou dans le Sud. Merci d'être avec nous, même si tout ce que vous faites depuis le mois de septembre, c'est être assis devant un écran à écouter des gens parler. Mais au moins là, vous allez écouter d'autres gens parler, des gens que vous connaissez probablement pas, comme moi. Je m'appelle Vincent Poirier, c'est moi qui va être l'animateur de cette causerie-là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le saviez, mais présentement, en Ontario français, il y a une grande pénurie d'enseignants. On manque d'enseignants francophones en Ontario, donc c'est peut-être un bon temps pour vous de vous mettre à penser à la profession enseignante comme étant une option. Le but aujourd'hui, c'est de vous aider à mieux connaître la profession, de connaître les avantages à devenir enseignant. C'est quoi les étapes pour obtenir une qualification en enseignement? Et surtout, savoir comment vous pogner une job dans une école de langue française en Ontario. Si vous êtes ici pour apprendre comment faire des meilleures vidéos sur TikTok, eh bien, vous n'êtes pas au bon endroit, mais je connais des bons tutoriels. Écrivez-moi en privé par la suite. Si vous avez des questions ou des commentaires pendant la causerie, vous pouvez le faire, bien sûr, sous la vidéo YouTube, dans la section commentaires. Il faut avoir un compte YouTube ou une adresse Gmail que vous pouvez lier à YouTube. Comme ça, on va essayer d'y répondre en temps réel. Sinon, il y a une belle période de 15 minutes à peu près pour répondre aux questions vers la fin de la causerie. Et maintenant, sans plus tarder, je vous présente nos quatre invités spéciaux qui vont être ici avec nous aujourd'hui pour vous en parler davantage, pour répondre à vos questions. Notre premier, c'est André Sanson, qui est professeur titulaire à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. André, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Excellent, merci d'être avec nous. Selon votre nom officiel dans mes notes, André, c'est écrit André Sanson, LLB, PhD, CO. Est-ce qu'on s'adresse toujours à vous de cette façon-là, même à la maison? Oui, oui. Oui. Surtout quand c'est le temps de faire la vaisselle. Parfait. Je vais essayer de respecter le nom officiel aujourd'hui. Notre deuxième invité, c'est Serge Demers. Lui, il est secrétaire général à l'Université Laurentienne. Bonjour Serge, es-tu avec nous? Ah, voilà. Comment allez-vous, Serge? Oui, monsieur. Excellent. Vous allez bien, merci. Parfait. Vous êtes secrétaire général de l'université. C'est quoi ça, un secrétaire général? C'est le responsable de tous les secrétaires. Ah, OK. Aussi simple que ça. Moi, j'aime ça, les réponses claires, précises et courtes. Bravo. Notre troisième invité, c'est Maryse Legault, qui est surintendante du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, le CSD-CEO. Bonjour Maryse, comment allez-vous? Ça va super bien, merci. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez enseignante avant, vous êtes surintendante et depuis très peu de temps, depuis cet été en fait, c'est comment devenir une grande patronne en pleine pandémie comme ça? C'est merveilleux. Ils nous ont tout appris pendant mes cours à tout gérer le COVID. Fait que je suis prête pour faire ce que je fais. J'en doute pas, vous êtes sûrement une experte. Merci d'être là. Notre quatrième et dernier invité, mais non le moindre, c'est M. Marco Smith, enseignant dans une école élémentaire au Conseil scolaire catholique Nouvel An. Salut Marco, comment ça va? Bonjour Vincent, ça va bien, merci. Excellent. Le Nouvel An, ça ne le dit pas dans le titre, mais ça, c'est dans le nord de l'Ontario. Vous êtes où, vous, Marco? On est à Sudbury en ce moment. Sudbury, il paraît qu'il n'y a pas de neige encore. Pas encore. Ça s'en vient cependant. On en annonce ce samedi, mais en ce moment, on est très bien. On n'a pas de neige. OK. Je connais une couple de skidou qui ont sûrement hâte de se faire vrombrir le moteur. Plusieurs. Oui. Je vous l'ai dit, moi, je m'appelle Vincent. Je ne suis pas un expert en éducation, pas du tout. Dans la vie, je suis comédien, animateur, je suis membre d'un groupe Improtéine, mais je suis allé à l'école. Et je suis allée à l'université, ça paraît pas, mais oui, je l'ai faite. Donc, je comprends un peu votre situation. J'ai déjà côtoyé des enseignants. Et en plus, cette année, je suis très, très fière. Avec Improtéine, on est les ambassadeurs de la campagne nationale de la valorisation du métier enseignant, de la profession enseignante. Ça s'appelle « Enseigner, ça me parle ». Et pour nous, la francophonie canadienne, la francophonie en Ontario, en milieu minoritaire, c'est extrêmement important pour nous. Et de savoir qu'on a besoin d'enseignants
francophones partout pour éduquer nos enfants en français. C'est vraiment primordial. Et si ça vous tente d'aller voir les capsules humoristiques qu'on a faites pour la campagne nationale Enseigner, ça me parle, je vous invite à aller découvrir ça sur leur page Facebook ou sur leur site web samparle.ca. Mais maintenant, on lâche le Canada et on parle de l'Ontario français. Marco, on va commencer avec vous. Tout simplement, on commence avec la base. Pourquoi vous avez choisi de devenir enseignant? Pour moi, l'enseignement, ça a toujours été une carrière que j'ai voulu faire. Et ça a probablement commencé avec mes enseignants du secondaire qui me disaient, plusieurs d'entre eux disaient, tu deviendras un bon enseignant si tu veux te lancer là-dedans. Okay. Et puis, c'est quand je suis allé à l'université que j'ai réalisé que je voulais vraiment travailler avec des jeunes. Alors, pour moi, c'était facile de choisir cette profession-là. Ah oui, mais vous avez même eu vraiment des enseignants qui vous ont poussé vers ça, là, qui avaient vu cette étincelle-là en vous. Là. Oui, oui. Et puis, je suis content qu'il y en a quelques-uns qui ont vu ça en moi parce que c'est une carrière que j'ai beaucoup appréciée jusqu'à date. Puis, très heureux de le faire. J'en doute pas. Est-ce que c'est important d'avoir des mentors comme ça qui peuvent nous guider un peu? Absolument. Pas seulement au niveau de mes profs au secondaire, mais aussi dans mes collègues. On a toujours des gens qui sont là pour nous aider, pour nous appuyer. Puis dans le monde de l'enseignement, c'est toujours bon d'avoir des gens comme ça. Mm-hmm, tout à fait. Vous, Maryse, vous avez été enseignante avant d'être surintendante. Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession-là? Oui, bien avec une maman qui est enseignante, dès mon jeune âge, j'allais décorer pour la rentrée scolaire et je l'aidais dans ses tâches. Puis mes loisirs, les fins de semaine et les soirées, c'était de jouer à l'enseignante aussi. Une classique. Oui. Puis ensuite, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit avant. C'est des enseignants qui voient ton potentiel, qui croient en toi, qui te disent « Hey, je te verrai enseignante. » Peut-être que c'est parce que je parlais trop, qui me disaient pas qu'ils tombaient dans l'enseignement. Mais c'est ça qui est intéressant, là. Puis quand je suis allée à faculté, puis que j'ai pu enseigner, puis faire de la suppléance par la suite, c'est là que tu te dis « OK, c'est ma vocation, là. C'est ça que je veux faire. » Ah oui, hein. Hey, je comprends ça aussi. Moi, mes deux parents étaient enseignants de français en plus. Donc, on avait affaire à parler direct à la maison. Mais vous, Maryse, est-ce que vos parents vous faisaient corriger leurs travaux à leur place aussi? Ou ça, c'est juste mes parents qui faisaient ça? J'aidais avec les dictées. Okay. Alors oui, j'aidais. Et j'avais le privilège de mettre le petit collant aussi sur les dictées. C'était très spécial mettre le collant là. C'était votre partie préférée, je suis sûr. Aujourd'hui, vous êtes surintendante, on l'a dit. Vous avez été enseignante longtemps et vous êtes promenée aussi beaucoup comme ça. C'est la preuve que même dans le milieu de l'éducation, il y a de la place pour de l'avancement de carrière et pour gravir les échelons, là. Exactement. Puis, il y a différentes occasions, là. Oui, il y a enseignement qui est merveilleux de faire une différence dans la vie d'élèves, de collaborer avec nos collègues. Puis ensuite, ben, on peut être conseillère pédagogique ou est-ce qu'on appuie d'autres enseignants avec des bonnes pratiques et tout, là. Alors oui, tu as raison. Puis ensuite, il y a direction adjointe, qui est de faire une différence avec la communauté, avec l'école. Fait qu'il y a beaucoup d'occasions dans l'enseignement. Je suis d'accord. Et puis ça, j'imagine si on veut peut-être se réorienter, il faut aller chercher d'autres formations en plus du bac en éducation. Exactement. Puis on parlait de collègues tantôt. Nos collègues sont excellents pour pouvoir nous guider ou pour pouvoir nous donner des idées de différents chemins possibles là, dans notre carrière. Oui, oui, oui. Bien, justement, en parlant de guide et de formation, André, à l'Université d'Ottawa, il y a le baccalauréat en éducation. Pouvez-vous nous parler du bac que vous offrez à Ottawa? Bien, nous autres, à l'Université d'Ottawa, on offre la formation pour devenir enseignant sur trois campus. Le campus d'Ottawa, où là, on offre finalement toute une panoplie de programmes. On offre le cycle primaire moyen, le cycle moyen intermédiaire, puis le cycle intermédiaire supérieur, ça veut dire de la 7e à la 12e année. D'accord. On a le campus de Toronto, où là, on offre le cours primaire moyen et le cours moyen intermédiaire. Et on a le campus de Windsor, où là, on offre le cours primaire moyen et moyen intermédiaire. Et en plus de ça,
peut-être pour ça que l'Université d'Ottawa et la Faculté d'éducation ont si bien réagi à la pandémie, c'est qu'on offre un cours aussi, un baccalauréat en éducation qui est entièrement offert à distance. Ah oui, hein? Depuis plusieurs années. Alors, ce programme-là est surtout fait pour ceux et celles qui sont déjà dans des écoles, qui n'ont pas leur baccalauréat en éducation, mais qui en ont besoin pour être membre de l'ordre, puis être reconnu. Alors, on offre ce programme-là qui est très populaire. En fait, c'est le programme qui se développe le plus actuellement. Et je dois dire qu'on manque de place. Donc, c'est contingenté présentement, c'est ça? Ben, c'est contingenté parce qu'on pensait qu'à 60 inscriptions par année, qu'on aurait assez de place. Puis les gens, tu sais, à un moment donné, on regardait ça un peu de haut, la formation à distance. Hein? Ah, oh, okay. Ils enseignent à distance, moi, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis, mais finalement, d'après les recherches qu'on a faites, on s'aperçoit que maintenant, les cours à distance offerts à l'université sont plus appréciés et plus populaires que les cours qu'on appelle en présentiel. Ah, vraiment? Je ne sais pas ce que ça veut dire de nos profs, là. Mais nos cours à distance sont très appréciés. Pourquoi? Parce que ça s'adapte au rythme de vie des jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Surtout les cours qui sont asynchrones. C'est-à-dire qu'un jeune va aller synchroniser son cours quand il va avoir le temps. C'est ça. Et moi, je me rappelle quand j'étais étudiant à l'université, bon, ça fait un certain nombre d'années, là. Mais je me rappelle, le centre de notre vie, c'était l'université. Il y avait des conférences sur l'heure du midi. Alors, les cours finissaient à midi, puis ils recommençaient à 1h30, puis il y avait des conférences. Je me rappelle, moi, j'ai fait une bonne partie de mes études à l'Université Laval de Québec. Puis, on avait les ministres, les premiers ministres qui venaient nous visiter, parce que moi, mon premier bac, je l'ai fait en droit, je l'ai devenu notaire. Puis, sur l'heure du midi, les ministres venaient nous parler, venaient nous invectiver ou quoi que ce soit, ou les députés ou les politiciens. Aujourd'hui, on ne veut plus ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des cours à midi. Ben oui! C'est aussi simple que ça. Alors, la vie universitaire a beaucoup évolué, s'est beaucoup transformée. Et pour ceux qui aiment ça, les cours à distance, aujourd'hui, ça correspond au style de vie de plusieurs étudiants, de plusieurs élèves. Et, je dois le dire, sans trop nous vanter, l'Université d'Ottawa, on a pris une longueur d'avance parce que, savez-vous que j'ai enseigné mon premier cours à distance en 2009? Ah oui, sur Internet? Et là, actuellement, moi, j'enseigne au bac, mais surtout à la maîtrise en psychologie du counseling. Puis, tous mes cours maintenant en psychologie du counseling sont à distance. Ah, quand même, hein? Moi, ça m'intrigue. Je ne savais pas qu'il y avait des campus et le bac offert à Toronto et à Windsor. Où sont les campus à Toronto et Windsor? À Toronto, c'est à Glendon. OK, oui. Puis à Windsor, je me rappelle, j'y étais, mais je ne me rappelle plus le nom de l'école. Je m'excuse. À quelque part entre la 401 puis Détroit, là. À quelque part pas loin de ce qu'ils disent, là. Ah oui, c'est ça. À Windsor, c'est vraiment le casino, le point central. À Windsor, c'est un beau petit groupe. Ils sont une trentaine. C'est un beau petit groupe à Windsor. C'est très familial. J'ai eu la chance d'aller les voir. J'ai beaucoup aimé ça. Puis à Toronto, ils sont un peu plus quand même. Et ça fonctionne très, très bien. Et c'est une présence de l'Université d'Ottawa là, à Toronto depuis, mon Dieu, une bonne vingtaine d'années. Ça fait longtemps. On aime ça. Merci, André. Serge, à votre tour, parlez-nous du bac offert à l'Université Laurentienne. Oui, bien merci beaucoup, Vincent. Puis, je te dirais qu'un peu de la même façon que l'Université d'Ottawa, l'Université Laurentienne offre, elle aussi, des bacs, une variété de bacs en éducation. Nos programmes se ressemblent d'une place à l'autre en province parce qu'on est tous, on doit tous être agréés par l'ordre des enseignants. Alors, dans un certain sens, c'est une différence saveur quand on va à une institution versus à une autre. Nous, je te dirais ce que l'on a de peut-être particulier comparativement au bac
de 2 ans qu'on a de façon régulière. C'est ce qu'on appelle notre bac concomitant. Donc, ce qu'on a avec ça, c'est que les étudiants, dès la graduation du secondaire, peuvent s'investir dans la route qui les mène vers un BED. Et je voyais de la façon que Maryse parlait un peu plus tôt. Puis bonjour Maryse, ça fait longtemps qu'on s'est vus. elle savait déjà ce qu'elle voulait faire, j'en suis sûr, quand elle avait 8 ans. Donc, un bac comme celui-là permet à un étudiant, dès le secondaire, de commencer à s'embarquer dans la profession enseignante. Il y en a d'autres qui, comme moi, ont trouvé la profession enseignante un peu plus tard dans leur vie, après leur bac universitaire. Et donc, il y a cette voie d'accès-là aussi qui est disponible pour les personnes qui songent à l'enseignement seulement un peu plus tard. Donc, Marco aussi, à qui je dis bonjour, ça fait longtemps que je l'ai vu. Lui, je pense qu'il tombe aussi dans la catégorie de quelqu'un qui savait assez tôt dans sa vie qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc, okay. Ça pour dire que je crois qu'avec ces deux offres-là, on est capable de rencontrer les exigences de la clientèle d'aujourd'hui. Oui, ben, je pense que c'est important d'expliquer pour comprendre le type de bac dont vous venez de parler. Là. Pour faire notre bac en éducation en temps normal, on fait un bac régulier de 4 ans et ensuite on s'inscrit au bac en éducation qui est de 2 ans. Mais comment fonctionne le bac? Vous avez dit un mot extrêmement compliqué que je n'ai pas compris. Là. Mais pour parler du bac un peu plus progressif là, en éducation, ça oui. Fonctionne comment ça, un peu plus concrètement? Donc, essentiellement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a combiné un bac de 4 ans et un bac de 2 ans pour faire un bac de 5 ans, qui est la nouvelle mathématique de nos jours. C'est ça. Tous les doigts sont là. Parfait. Et donc, l'étudiant s'inscrit initialement dans un bac, dans la discipline qui l'intéresse, que ce soit l'histoire, que ce soit les sciences, que ce soit l'éducation physique. À l'intérieur du programme, donc pendant la première année, il va suivre un cours d'éducation envers son bac en éducation. Ah, okay. Après la deuxième année, il suit un autre cours, puis un autre cours, puis un autre cours. Et donc, par cumul de ces cours-là, par le temps qu'il arrive à la cinquième année, termine avec un bac de 4 ans, ou après 4 ans, termine avec un bac, et après 5 ans, termine avec son deuxième bac en éducation. Ah, c'est intéressant. Est-ce que ça ressemble un peu plus à ce qui se fait du côté du Québec? Parce que je sais qu'au Québec, c'est un bac en éducation dès le début aussi. Je te dirais que c'est différent du bac en éducation, dans le sens qu'au Québec, ma compréhension, c'est que c'est un bac de 3 ans qui est purement en éducation dans une autre discipline. Pour oui, ben oui. À la faculté des sciences d'éducation où j'ai étudié à l'Université Laval, le bac est de 4 ans. OK, d'accord. Un bac de 4 ans qui intègre ce qu'on appellerait ici là, les teachables, les options. Master enseignant. Puis qui intègre aussi les stages intégrés. Mais on est limité à les lettres françaises et éducation et enseignement des langues secondes. Si OK, d'accord. Un bac intégré. Parfait. On me demande juste de préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de l'extérieur du Canada qui nous écoutent présentement. Aujourd'hui, on s'adresse vraiment aux étudiants à l'université qui veulent peut-être procéder en éducation par la suite. Mais si vous voulez en apprendre plus sur les façons d'immigrer en Ontario et venir enseigner en Ontario, il y a une causerie qui existe déjà sur le site web enseignerenfrançais.ca. Vous trouverez toute l'information là-bas. Avant de procéder, Serge et Maryse, ça m'intrigue. Là, vous connaissez comment exactement? Serge, je te laisse aller. C'est un monde mathématique, mais Serge, je te laisse dire qu'est-ce que tu es à l'aise de dire. J'aime ça! Maryse sait que je ne parle pas beaucoup, donc je vais arrêter là. Je vais laisser Maryse parler. Non, merci. Merci, Serge. On a participé, justement, tantôt, tu parlais, Vincent, qu'il y a différentes occasions. Serge, il accompagnait notre conseil avec des pratiques gagnantes, avec tout ce qui était mathématiques, la communication orale, de commencer dès un jeune âge. Alors, c'est comme ça que je l'ai connu, là. C'est un passionné, puis très compétent et connaissant. Ah, le double C, hein, le classique connaissant, compétent, c'est mes deux lettres préférées. Bon, ben, excellent.
On va mettre un autre C, charmant aussi. Ah, parfait. Excellent. Je sais qu'on va pouvoir en trouver d'autres d'ici la fin de la causerie. Marco, toi, on parle d'études. Parle-nous un peu de ton parcours d'études, là, de la fin du secondaire jusqu'au métier, jusqu'à ta profession d'enseignant. Moi, j'ai quitté ma ville natale de New Liskeard pour venir à Sudbury. La grosse vache! La grosse vache, c'est ça. Pour venir à Sudbury pour faire un bac en commerce. Lorsque j'ai quitté le secondaire, mon père me disait que j'étais pour faire un bon enseignant, que moi, j'étais pour aller faire autre chose. Donc, j'ai commencé avec un bac en commerce. J'étais allé travailler en marketing à Sciences Nord pour environ 4 années. OK. J'ai commencé à entraîner une équipe de basket de 7e et 8e année lorsque je travaillais à Sciences Nord. Et puis, j'ai tombé en amour avec le coaching de ces jeunes-là. Et puis, j'ai rencontré mon épouse, qui est aussi une enseignante, qui m'a convaincu que je devais faire le changement. Alors, 4 ans plus tard, je suis retourné à l'École des sciences d'éducation pour aller chercher mon bac en éducation. Puis, en 2002, j'ai commencé à enseigner. Et tu as fait ton bac en éducation à la Laurentienne aussi? À la Laurentienne, c'est ça. C'est ça qui est le fun avec le bac en éducation, hein? C'est qu'on peut faire son bac, aller commencer une vie, puis le dire, non, tu sais quoi, j'ai le goût de m'en aller là-bas, moi, et on fait 2 ans à l'université et on commence une toute autre profession. Vous allez dire, Marc, vous allez parler de Serge. Serge était un de mes enseignants à cette époque-là quand je suis retourné à l'école. Et comment qualifierais-tu ces... Maryse, vous, qu'est-ce que vous avez le plus aimé pendant vos études à l'université? Oui, j'ai le droit de dire que j'étais à l'Université d'Ottawa. Oui, Monsieur Santon va être content, oui. À l'Université d'Ottawa, ce que j'ai apprécié, c'est de connaître des gens qui viennent d'ailleurs. Tu sais, tantôt, Marco, il faisait allusion de la vache de Liskeard. Moi, je viens de Saint-Albert, avec des vaches, puis ferme laitière et tout. Mon papa est sur une ferme laitière. Avant, il faut juste clarifier que le fromage de Saint-Albert est un petit peu meilleur que celui de Thornlow. Mais tu sais, je veux pas Marco, partir de débats ou de chicanes. Attention, parce que à Sudbury maintenant, Cheese Factory, puis le fromage est exceptionnel. Oh oui, vraiment, hein? Nickel City Cheese Factory, j'aime ça. C'est noté. Wow, OK, bien, je suis contente, je m'en trouve ça nouvelle aujourd'hui. Justement, c'est ça, Vincent, qui est plaisant quand on est dans un campus. Il y a des gens de partout à travers le monde, partout à travers le Canada, l'Ontario. Ça nous fait cheminer, puis ensuite, ça nous fait des contacts quand on commence notre profession. Ce que j'appréciais beaucoup aussi, c'était quand nos enseignants nous faisaient vivre des situations que j'étais pour vivre ensuite dans mon stage. On devait lire des livres de littérature jeunesse pour se faire notre petite bibliothèque pour quand on était pour aller en stage, pour raconter des livres ou offrir des livres aux élèves. Et quand c'était un projet qu'on savait qu'on était pour réinvestir, c'est ça que j'appréciais le plus là, dans mon parcours à l'université. Ah oui, j'en doute pas. Est-ce que je peux ajouter toujours au sujet de l'Université d'Ottawa? Bon, je suis un peu biaisé, là, mais... je remarque, moi j'enseigne à l'Université d'Ottawa depuis 2002, et je remarque qu'à notre programme au baccalauréat, notre population étudiante est très diversifiée. On a beaucoup d'étudiants qui ont fait leurs études de premier cycle à l'étranger, qui nous arrivent d'un peu partout à travers le monde. Puis, je ne sais pas si c'est un plus ou un moins, mais on a beaucoup d'étudiants du Québec aussi. Alors, ça fait un beau mélange et c'est très riche comme discussion et comme échange. Moi, je trouve que c'est une des marques de commerce à l'université. Puis en plus de ça, ben, on a une belle piscine. Ah, écoute, avec les gros tremplins olympiques puis tout, je me suis déjà pitché du 4e, moi. J'ai eu mal pendant 2 semaines et demie. André, justement, pouvez-vous nous parler des exigences pour être admis à une faculté de l'éducation en Ontario? Bien, tout ce que je vais dire
n'engage que moi. Parce que c'est le secrétariat de l'université qui décide de la faculté si vous avez les prérequis ou pas. C'est eux autres qui ont vraiment le dernier mot. En général, qu'est-ce que ça prend? Ça prend un bac. Un bac qui est soit de l'Ontario ou un bac du Québec, parce qu'on compte la deuxième année de cégep, donc ça fait 4 ans, un bac de 4 ans. Et bien entendu, si on vient de l'étranger, là, il faut que ça soit évalué selon les critères de l'université. Et là, il y a des critères très, très précis. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans, là, mais vous avez dû en parler la semaine dernière. Et là, ça dépend aussi où est-ce, à quel cycle que vous voulez enseigner. Alors, c'est les exigences sont différentes. Si vous voulez enseigner au cycle primaire moyen, c'est-à-dire de la maternelle à la sixième année, que comparativement au cycle moyen intermédiaire ou au cycle intermédiaire supérieur de la septième à la douzième année. Alors, si vous voulez enseigner la septième à la douzième année, ça vous prend des options, ce qu'on appelle les teachable. Mm-hmm. Alors, ça aussi, c'est la faculté qui va évaluer ça, qui va décider. Alors, des exemples de teachable, des exemples. Alors, si vous voulez devenir professeur de mathématiques. Donc, vous faites un bac en maths, un bac en théâtre, un bac en littérature. Ça, comme, par exemple, moi, j'enseigne au bac le cours éducation à la carrière et à la citoyenneté. Puis, mon groupe est divisé en tables. Puis, j'ai tout le temps une table de 7-8 qui sont d'éducation physique. Ça, je le sais parce qu'ils sont tous musclés, puis ils arrivent tous, là, ils sont tous ensemble. Une casquette par en arrière. Ouais. Des sandales et des bas. Le jeu de teachable, c'est éducation physique. C'est bon. Alors, ils veulent réellement aller là-dedans. Alors, c'est ça qui va regarder. Moi, je vous dis, allez sur le site de la faculté. C'est très bien décrit. En fait, même, par exemple, disons que vous voulez enseigner, vous voulez être à Ottawa. D'ailleurs, je pense qu'on est la dernière université à offrir en français le cycle intermédiaire supérieur de la 7e à la 12e année, si je ne me trompe pas. Donc, si vous voulez enseigner de la 7e à la 12e année, il faut venir ici à Ottawa. Ah, d'accord. Même le campus de Toronto enseigne pas donne pas jusqu'à la 12e année, ou le campus de Windsor. Et là, si vous allez sur le site, vous allez avoir toute la liste des cours qui sont nécessaires pour avoir vos teachables. Alors, je ne peux pas apprendre ça tout par cœur. Je vais exiger de mes étudiants d'apprendre tout ça par cœur, mais moi, je ne peux pas tout l'apprendre par cœur. Puis, alors, allez sur le site et là, vous allez avoir ça. Et je dois vous dire une chose. C'est qu'il y a un grand besoin d'enseignants, d'enseignantes qui vont enseigner au cycle intermédiaire supérieur. C'est triste à dire, là, mais moi, quand j'ai commencé à enseigner éducation à la carrière et à la citoyenneté, avec la réforme il y a quelques années, j'avais environ 40 étudiants et étudiantes dans ma classe. L'année passée, parce que c'est un cours obligatoire, il y en avait 25. Je ne sais pas si c'est de ma faute, là, mais ceci étant dit, ça veut dire qu'il y a une baisse d'étudiants pour ces cycles-là. Et c'est quand même un cycle, je pense, qui est intéressant parce que moi, j'ai fait des recherches. Moi, ma spécialité, c'est l'orientation scolaire et professionnelle. Ça peut en surprendre quelques-uns ou quelques-unes parce que je l'ai, mais c'est ça que j'enseigne. Bon, sur les jeunes ados, moi, j'ai fait une recherche auprès de 1100 élèves de 12e année. Alors, je remercie les deux conseils scolaires qui sont ici, ont participé. Les 7 écoles secondaires de l'Est de l'Ontario ont participé. Votre conseil scolaire du Nouvel-Ontario aussi a participé. C'est le temps de choisir un programme d'études postsecondaires. Les enseignants ont beaucoup d'influence sur leurs élèves. En rendre jaloux les conseillers et conseillères d'orientation. En devenant enseignant, on peut changer le monde. Mais c'est quand même beau dans notre vie d'humain, là, que de dire « j'inspire du monde ». Parce que c'est ça qu'ils font les enseignants et les enseignantes au secondaire, ils inspirent du monde. Mm-hmm. Puis quand ils sont rendus à l'université, nous autres, on les écarte. Non, c'est pas vrai. Ceci étant dit, là, les enseignants et enseignantes
C'est une belle profession, c'est une super profession, surtout si vous aimez travailler avec le monde. Puis, inspirer des jeunes, là, il n'y a rien de plus beau que ça, là, parce que c'est l'avenir de la nation. Tout à fait, tout à fait. On sculpte. C'est bon. Serge, avez-vous des choses à rajouter par rapport à si c'est différent à l'Université Laurentienne, les conditions d'admission? Non, les conditions d'admission essentiellement sont gérées par l'Ordre des enseignants et en partie par l'Université. Comme j'ai dit tantôt, nous, notre programme concomitant, c'est un peu différent parce qu'en sortant, si tu es diplômé du secondaire, tu es éligible à entrer dans un programme de bac à la Laurentienne, tu es aussi éligible pour le BEd. OK. Puis, ça peut ressembler à quoi la vie d'un étudiant ou d'une étudiante là, qui est en train de faire son bac en éducation? Là? Ça ressemble-tu à un bac régulier, quelques cours dans ta semaine, après ça, tu vas jouer au beer pong ou c'est un peu plus intense? C'est le degré d'intensité dépend de l'individu, bien sûr. Mais je te dirais que je vais répondre à la question de deux façons. J'ai moi-même passé au travers du programme d'éducation parce que je suis un enseignant ou j'étais un enseignant de mathématiques et de physique tôt dans ma carrière. Et je vais revenir sur le commentaire que Maryse a fait par rapport à l'esprit de collégialité qui existe. Parce que contrairement au bac, quand on est dans une classe avec peut-être 500 étudiants qu'on ne connaît pas, les facultés d'éducation ont tendance à travailler sur un modèle de cohorte, qui veut dire que tu es essentiellement avec le même monde toute la journée, qui est bien, puis en même temps, ça peut t'écœurer, dépendant avec qui ce que tu es, puis si les jokes sont plates ou pas plates. Mais ça bâtit vraiment un esprit de camarade, de collégialité, qui fait en sorte que plus tard dans ta carrière, tu es capable d'appeler Vincent, puis de dire « Vincent, peux-tu m'aider avec ci, ça et autre chose? » Parce qu'on a développé un lien d'affinité de cette façon-là. Donc, je dirais que la grosse différence, vraiment, mon expérience entre le bac et puis le BEd, c'est véritablement au niveau de cet aspect de cohorte et aussi beaucoup, beaucoup de travaux qui sont en groupe plutôt que des travaux individuels. Donc, essayer d'engager des individus à travailler ensemble plutôt qu'en compétition parce que c'est un peu ce qu'on espère qui se traduit par la suite dans le milieu du travail. Donc, c'est vraiment cet esprit-là de gang là, qui est vraiment apprécié. En bien ou en mal, oui. C'est bon. Il n'y avait pas une deuxième portion dont vous vouliez parler? Ça se peut-tu? Non, je me suis peut-être mélangé. J'ai peut-être compris de travers. Maryse, André parlait tantôt de cette pénurie-là d'enseignants. Il la sentait au bac en éducation. Concrètement, dans les écoles, ça ressemble à quoi, ce manque-là d'enseignants? Écoutez bien, là, les gens qui sont là, vous allez avoir un poste en sortant de l'université. On est en pénurie. Oui, Vincent, c'est évident. On a besoin. Je vais être honnête, il y a 24 ans, quand j'ai appliqué, il y avait 12 postes permanent, puis on était 225 qui ont piqué pour présentement, c'est le levier est inversé. On vous a besoin, c'est évident. Puis, il me semble que c'est encourageant quand tu t'engages pour 2 ans comme ça à être étudiant, puis ensuite tu sais que tu vas avoir un poste. Fait que venez-vous-en, on vous a besoin, c'est évident. Colin, c'est quasiment une job garantie. Est-ce que tu as déjà des contrats à faire signer tout de suite, là? Tout de suite. Est-ce que je peux vous donner ma carte d'affaires, puis vous pouvez venir travailler chez nous. On a des beaux postes, puis on travaille bien en équipe. On va vous aider, vous appuyer. Parce que quand vous avez un poste dans un conseil scolaire, vous avez aussi de l'accompagnement, du mentorat, du coaching. Vous n'êtes pas laissé à vous-même seul, là. Alors, en plus d'avoir un poste, d'avoir un emploi, bien, vous allez avoir de l'appui aussi, autant de vos collègues, mais il y a de l'appui aussi formel, là. Mm-hmm. Puis ça fonctionne comment, le processus d'embauche? Comment est-ce qu'un conseil scolaire embauche un enseignant qui vient de terminer son bac, disons? Bien, c'est ça. Vous allez sous offre d'emploi, vous allez nous envoyer une lettre d'intention, vous allez envoyer votre CV, vos références, puis vous venez nous rencontrer pour une entrevue sur cette question. On veut apprendre à vous connaître. Puis c'est ça. Fait qu'il y a le avant, il y a le pendant qui est l'entrevue, puis ensuite, ben, on fait le merveilleux rappel où est-ce qu'on vous offre une belle salle de classe pour venir travailler avec nos élèves pour faire une différence.
Puis là, bon, on vient de dire aux gens que les chances d'obtenir un poste d'enseignant sont très, très grandes. Maintenant, pour les aguicher encore plus, parlons de conditions de travail. Ça ressemble à quoi, Marco, peut-être, les conditions de travail d'un enseignant ou d'une enseignante? Moi, si je prends mon exemple à moi, en étant enseignant d'éducation physique, je fais mon enseignement pendant la journée, évidemment. L'entraîneur qui sort, la plupart du temps, jusqu'à 4h30, 5h, je fais des pratiques, soit de ballon volant dans la saison de ballon volant ou de basketball dans la saison de basketball. Et puis... je fais de l'entraînement comme ça, des tournois, parfois pendant les fins de semaine, pendant la semaine. Moi, je suis choyé dans notre conseil au niveau élémentaire. On a aussi un comité de sport à l'élémentaire. Je fais partie de ce comité-là, puis on organise des ligues et des tournois pour toutes les écoles de notre conseil. J'ai la chance de organiser ça pour nos élèves. Pour les préparer pour le secondaire, pour qu'on ait des équipes ou des écoles compétitives au secondaire. Et puis, l'autre chose que j'adore aussi, c'est que je fais partie d'une équipe, de l'équipe de construction identitaire du conseil, puis on organise des camps de leadership pour nos élèves de 7e, 8e, puis il y a aussi un camp pour le secondaire. Alors, même si je suis un enseignant d'éducation physique, ça me permet quand même de faire plein d'autres choses que j'adore. Ben, et puis, de ce que je peux comprendre, Marco, vous êtes un homme passionné autant des sports que du développement de l'enfant. Je pense que c'est ça qui est fun dans l'enseignement, c'est qu'on peut vivre de nos passions, vraiment. Là. Vous aimez sport, on peut les enseigner, on peut le coacher en soirée puis s'épanouir vraiment là-dedans. C'est pas vrai, ça? Oui, puis ce qui est le plus valorisant dans tout ça, c'est de prendre un élève en quatrième année, parce que moi, j'enseigne de la quatrième à la huitième année. Okay. De prendre un élève en quatrième année qui est un petit peu plus timide dans les sports, moins développé. Et puis, par sa septième, huitième année, il devient un athlète complet. C'est gratifiant de voir ça, puis de voir l'épanouissement que l'élève a fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. André, au bac, en éducation, selon vous, c'est quoi les forces et les qualités d'un étudiant qui va réussir ou qui va émerger, si on veut? Moi, je pense que la principale qualité d'un enseignant francophone en milieu minoritaire, c'est sa fierté d'être francophone. Parce que la recherche démontre que quand un jeune grandit en milieu minoritaire, plus il célèbre sa différence, mieux il réussit. Moi, je l'ai étudié dans le contexte de l'orientation scolaire et professionnelle. Puis encore là, j'ai fait une recherche auprès de plus de 1000 élèves de 12e année qui démontrent que plus un jeune est fier d'être franco-ontarien, moins il y a de difficultés au niveau de l'orientation scolaire et professionnelle. Intéressant, ça. Tu sais, on va s'imaginer, il faut qu'il étudie en anglais s'il veut qu'il réussisse dans un marché du travail qui est massivement anglophone. Non, c'est pas vrai. Au point de vue identité, plus ton identité culturelle est forte, plus ton identité vocationnelle va être forte et plus tu risques de réussir. Donc, si tu célèbres ta différence, tu risques de bien réussir dans la vie. Et un enseignant francophone, c'est lui qui donne. Si on parle de construction identitaire, c'est lui qui passe ça à ses élèves. Oui, la famille est importante. Mais comme M. Landry, l'Université de Moncton l'a montré, l'école joue un rôle fondamental. Puis à ça s'ajoute le fait qu'il faut poursuivre les études postsecondaires en français. Je viens de finir une recherche qui va être publiée bientôt dans une revue scientifique que j'ai conduite auprès d'étudiants de première année de la cité collégiale. Et plus ils se sentaient francophones, plus ils s'adaptaient à leur monde, à l'environnement postsecondaire, plus leur bien-être psychologique était élevé, puis plus leur identité vocationnelle était élevée, plus ils savaient quoi faire. Donc, le secret pour un jeune francophone en Ontario, là, c'est d'être fier de son identité, de la célébrer, puis de parler français quand il arrive au marché bail, puis de se faire servir en français. Ça fait 20 ans que je lutte pour ça, moi, je continue. Mais c'est ça, et les enseignants-enseignantes, là, dans les écoles, là, c'est ça qui passe à leurs élèves. La fierté d'être francophone
Et ça a un effet qui se généralise dans toute leur la construction de leur identité psychologique, de leur identité vocationnelle et de leur identité comme francophone. Et ça en fait des gagnants. Hein, mm-hmm. On entend ça des fois à la tabagie. Winner, gagnant. Mais là, ça va faire winner, gagnant souvent quand tu vas étudier en français. Et ça, c'est la grande qualité, je pense, d'un enseignant francophone, c'est de passer cette fierté-là. Et même si ça peut rassurer certaines personnes qui croient peut-être pas être là, je sais que pour plusieurs, ça se développe vraiment plus tard dans l'âge adulte aussi. Combien d'amis au secondaire, moi, que j'ai vu qui voulaient rien savoir du français à Ottawa, à l'école de La Salle, et whoop, plus tard, ils deviennent des fiers francophones qui vivent leur vie en français. Donc, ce switch-là, si je veux utiliser un bel anglicisme, se passe à différents moments de nos vies quand même. Ça se sème au secondaire. Exactement. Après ça pousse. Et ça se récolte un peu plus tard. Ouais, c'est ça. C'est ça. Serge, on va sortir de la poésie un petit peu. Pouvez-vous nous parler des stages pratiques qu'on fait pendant notre bac en éducation? Parce que je pense que c'est important d'en parler. Puis c'est quelque chose qui nous met vraiment là, au milieu de l'action pour vraiment apprendre comment ça marche. Oui, ben, c'est dommage qu'on sorte du sujet de tantôt parce que moi, j'étais si déçu de ferme. Donc, semer, puis récolter, je connais ça, moi, là. Alors, dans le fond, moi, je vais rajouter à ce que mon collègue, M. Samson, a dit. Je dirais que les qualités nécessaires pour un étudiant, c'est de l'empathie. Et aussi, je te dirais que moi, mon domaine, c'est l'enseignement des mathématiques. Et les meilleurs étudiants que j'ai eus à la faculté d'éducation ont été ceux qui ont connu des défis dans l'apprentissage des mathématiques quand tu étais à l'élémentaire ou au secondaire. Je dis ça parce que ces personnes-là ont dû trouver plus qu'une méthode pour arriver à la réponse, alors que ceux qui ont le doctorat en génie ou le doctorat en physique, eux, généralement parlant, n'ont qu'une seule façon d'arriver à la réponse et ont de la difficulté à comprendre que l'élève ne comprend pas de la même façon qu'eux. Alors, je pense que c'est important de réaliser que même si on ne se croit pas si bon que ça en mathématiques, on a les capacités d'enseigner cette matière-là parce que, justement, on a été capable, nous, de s'ajuster et trouver différentes façons d'apprendre la mathématique autre que la façon qu'on a été montré. Mais pour arriver à ta question principale, qui est oui. très bonne, bien sûr, je suis sûr que tu y as réfléchi pendant des semaines et j'apprécie que tu me l'aies posé. Les stages, encore une fois, chez nous, pour avoir sa carte de compétences, il doit avoir un minimum de 80 jours d'enseignement en stage. Donc, chez nous, à la Laurentienne, on va un petit peu au-delà de ça. On essaie de toujours faire de notre mieux. Donc, on demande aux étudiants 100 jours de stage qui se divisent essentiellement dans des blocs de 5 semaines. Il y a un bloc de 5 semaines novembre à décembre et il y a un autre bloc de 5 semaines mars à avril dans lequel nos étudiants vont et participent à la vie en salle de classe. Et bien sûr, le modèle dans lequel on croit, c'est un modèle d'entrée progressive. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'un étudiant qui arrive à son premier bloc de stage prenne contrôle de la classe et enseigne pendant toute la journée, mais plutôt qu'il ou elle essaye d'observer qu'est-ce qui se passe en salle de classe, quelles sont les interventions ou les interactions qui existent entre l'enseignant et des élèves. Mm-hmm. Souvent, c'est utile parce que on a tendance, je dirais, comme enseignant, à vouloir répéter ce qu'on a vécu quand on était élève. Et parfois, c'est bon, parfois, ce n'est pas bon. Alors là, l'expérience de stage permet de voir, de jeter un coup d'œil à un style peut-être différent de celui avec lequel on est habitué, et essayer de sortir de ça ce que l'on peut. C'est très difficile pour quelqu'un de complètement changer son style d'enseignement, mais c'est possible pour lui ou pour elle de s'ajuster en prenant les forces de différents modèles, si tu veux, au fur et à mesure que son parcours avance. Donc, généralement parlant, les étudiants ont 4 différents modèles qu'ils peuvent suivre, parce qu'il y a 4 stages de 5 semaines, la mathématique est bonne, faisant en sorte, donc, une fois que tout ça est terminé, l'élève a ce bagage d'une centaine de jours d'expérience qu'il peut par la suite aller voir Maryse et dire « Maryse, j'ai 100 jours d'expérience en enseignement et donc je serais intéressé d'avoir un poste chez vous. »
Et Marie va dire « t'as la job », c'est ça. Absolument. Et je pense que pour ajouter un peu aussi, dépendant du cycle d'enseignement dans lequel les personnes se qualifient, pour que les stages se fassent à l'intérieur de ces années scolaires-là. Donc, si moi, je me destine à pas à l'élémentaire, mais au primaire moyen, je vais faire mes stages de la maternelle jusqu'à la sixième année. C'est ça. Si je me destine comme étant un prof de mathématiques, du secondaire et de physique, comme je l'étais, ben, je peux m'attendre que mes stages soient de la septième à la douzième année en mathématiques, en sciences puis en physique. Bien sûr. On va rentrer dans la portion questions du public. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, c'est le temps de poser vos questions dans la section commentaires. On en a déjà quelques-unes ici. Serge, on va rester avec vous. Si on vit des défis pendant notre bac en éducation, est-ce qu'il y a des programmes pour nous aider, pour nous épauler? Je te dirais que des programmes, c'est peut-être un gros mot, mais comme j'ai fait allusion tantôt, tu as tout ton groupe classe, ta cohorte qui est là pour t'épauler. Je dirais que ça, c'est la ressource principale. Toutes les universités en Ontario ont des réseaux, des systèmes pour aider, peut-être des défis au niveau d'argent. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'avoir des bourses en situation de crise, etc., des choses de ce genre-là. Donc, moi, si j'avais un étudiant qui, aujourd'hui, m'écrivait comme secrétaire général ou comme registraire qui me disait j'ai des problèmes, j'essaierais d'identifier est-ce que ce sont des problèmes académiques. Donc, je l'enverrais vers le directeur de l'école ou vers le doyen de la faculté. Si ce sont des problèmes non académiques, donc, ça serait un aiguillage vers les différents services qu'on a sur campus pour aider. Tu n'es pas sans savoir que de nos jours, les problèmes de santé mentale sont de plus en plus présents. Puis, je ne suis pas gêné de dire qu'à l'université, on a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, comme partout ailleurs. Ce n'est pas, c'est pas différent. Je pense qu'il ne faut pas le cacher. Et donc, on a des services pour ça, pour les étudiants qui sont dans ces situations-là. Oui. André, est-ce qu'on s'inscrit en éducation au printemps ou à l'automne? Pour juste continuer à ce que Serge a dit, moi j'étais vice-doyen à gouvernance et affaires étudiantes de la faculté et je m'occupais justement des difficultés que les étudiants et étudiantes pouvaient traverser durant leur bac. Puis comme à la Laurentienne, ici à l'Université d'Ottawa, on a un service de counseling et d'aide psychologique, un service de coaching, un service d'aide aux devoirs. Alors les étudiants sont réellement épaulés pour ce qui est des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Puis même au point de vue financier, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu toute une tornade dans un quartier de Gatineau et beaucoup de nos étudiants vivaient là. On parle d'une tornade réelle, pas une tornade psychologique. Là. Oui, c'est ça. C'est une partie du quartier et j'ai été témoin du service des finances qui a aidé des étudiants qui étaient mariés, qui avaient des enfants puis qui ont dû faire des aides financières jusqu'à 6 000 $. Alors, c'est beaucoup plus là que juste symbolique comme aide financière. Oui, oui. Alors, je pense que dans les universités maintenant, le support aux étudiants est de plus en plus, je dirais, développé. Et on fait notre gros possible, en tout cas, pour répondre aux besoins de nos étudiants et étudiantes tout au long de leurs études. Et quelle était votre question? C'était quand est-ce qu'on s'inscrit au bac en éducation? Alors là encore, je vous invite à aller sur le site et là, la date, et encore là, je dis ça sous toute réserve, si je me trompe, c'est ce qui est écrit sur le site, c'est pas moi qui l'ai dit, mais j'étais voir et si j'ai pas oublié, c'est réellement le bien lu, c'est le 1er février. Et on peut s'inscrire avant d'avoir terminé notre bac? Pardon? On peut s'inscrire avant d'avoir terminé notre bac. Mais bien entendu, vous êtes accepté conditionnellement. Exactement. À terminer tous les prérequis avant d'entrer à la faculté. Merci. Mais oui, si vous êtes, disons, étudiant en quatrième année en histoire ou en géographie, ben là, vous allez obtenir votre bac normalement au mois d'avril, au mois de mai. Mm-hmm. Ben là, l'université va recevoir les papiers, puis vous allez être accepté, il n'y aura pas de problème. Exactement. Serge, du côté de Laurentienne? Oui. Même chose? Oui, ben c'est ça. En fait, c'est la même histoire partout en Ontario parce qu'il y a un système centralisé d'inscription qui est au travers d'OUAC, O-U-A-C. Et donc, les étudiants et les étudiantes s'inscrivent là.
Et nous, bien que je dirais que le 1er février, c'est une des dates butoirs, on garde nos inscriptions ouvertes aussi longtemps qu'on a de la place. Et nous, c'est sûr que qu'on demande le plus certain qu'on peut être de réserver notre place. Est-ce qu'il y a beaucoup de places de libre dans les programmes présentement? Il y a une pénurie dans les écoles, mais est-ce qu'il y a de la place dans les... Je dois dire que l'effet démographique se fait sentir maintenant à l'université. Il y a une baisse démographique. Okay. Peut-être à part le sud de l'Ontario, il y a de moins en moins de jeunes 18-24 ans. Et ça se fait sentir à l'université. Comme je dis, peut-être dans la région du sud de l'Ontario, où là, démographiquement, ça se développe beaucoup à cause des nouveaux arrivants. Et d'ailleurs, notre campus de Toronto, si on n'avait pas les nouveaux arrivants, je pense qu'on le fermerait. J'ai prisé la collation des grades il y a 2 ans à Toronto, puisqu'on pourrait appeler les francophones, les franco-ontariens de souche. Sur les 60, il y en avait peut-être 2-3. C'est parfait, ça. Et ça parle aussi que comment le secteur, le système scolaire francophone dans le sud de l'Ontario, ça explose. Mm-hmm. Ça explose. Alors, démographiquement, là, il y a beaucoup, beaucoup de jobs dans le sud de l'Ontario. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans l'Est, là, mais il y en a beaucoup, beaucoup dans le sud de l'Ontario. Puis c'est pour ça qu'il y a le campus de Toronto et de Windsor. Mais on est comme à la Laurentienne. Nos places restent ouvertes tant et aussi longtemps qu'on a de la place, même si quelqu'un envoie, par exemple, si vous voulez aller au cycle moyen intermédiaire ou au supérieur, il manque de monde. Alors, si vous voulez aller dans ce cycle-là, que vous avez vos 2 teachables, c'est certain qu'on va vous accepter. Tout à fait. Marco, vous, si c'était à refaire, est-ce que vous rechoisiriez l'enseignement? Moi, je n'hésiterais pas une seconde de me lancer dans cette profession-là. Encore aujourd'hui, ça fait presque 20 ans que je le fais, puis j'adore ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une carrière qui est valorisante. La chance de travailler avec des élèves, de recevoir des compliments, parce que les jeunes en sont pleins, puis les parents. Je dirais même que je suis chanceux parce que au niveau élémentaire, il n'y en a pas beaucoup d'hommes. Moi, je suis dans un personnel d'environ 35 personnes. Je suis le seul homme. Et j'ai souvent des compliments ou des commentaires de parents qui vont me dire « Mon enfant est tellement content d'avoir, parce que c'est la première fois qu'il y a un homme qui l'enseigne, d'avoir un homme enseignant. » Donc, je pense que je suis chanceux de ce côté-là aussi. Ah, c'est le fun, ça. Bien, on va continuer ça. Ça me donne des frissons de bonheur. Maryse, pourquoi vous aimez l'enseignement, vous? Pourquoi j'aime ça? C'est pour une différence. Tu sais, quand tu accueilles tes élèves à la rentrée scolaire, j'ai tout à l'image, on fait le bouquet avec les fleurs qu'on a. Fait que c'est découvrir c'est qui tes fleurs pour faire ton bouquet. Puis il est différent chaque année, là. Tu sais, il y a des années, là, tu fais plus d'improvisation. Moi, j'étais principalement 7e, 8e. Je les aimais là, dans la crise d'adolescence. Tu sais, quand ils ne s'aiment pas et qu'ils veulent se découvrir, pourtant, c'est là le plus grand potentiel, là, leur faire découvrir leurs dons et tout. Il n'y a aucun doute que je voudrais encore être enseignante et que j'ai choisi la bonne place. Puis un peu comme Marco dit, autant dans le présent que dans le futur, quand ils revoient ensuite 5 ans, 10 ans, 15 ans après, qui présentent leurs enfants à leur tour, puis qui peuvent te dire, tu sais, madame, quand on a fait ça avec toi, puis ils s'en souviennent encore, puis 20 ans, jamais ta leçon de français puis maths qui se souviennent. Non. Et quand tu as fait des capsules d'impro, quand tu as fait des spectacles du théâtre, c'est tout le temps ces événements-là forts, si je peux dire ça comme ça. Les moments humains. Les moments humains, exactement. C'est une profession extrêmement humaine que l'enseignement. Serge, Marie vous a parlé de fleurs. Là, je vous donne l'opportunité de continuer dans l'agriculture et la culture. Pourquoi vous aimez l'enseignement? Ben, écoute, moi, je n'aurais jamais pensé quand j'étais jeune, puis oui, j'étais jeune à un moment donné, que l'éducation était... Je trouvais que j'étais un type gêné, puis je le suis encore. Mais ce que les gens autour de moi me disaient, c'est un peu comme Marco, c'est que tu es capable d'expliquer quand je ne comprends pas. Et,
Et donc, je pense que c'est ça qui m'a porté à acheter un coup d'œil à est-ce que l'enseignement, c'est pour moi, oui ou non. Non. Et je pense que, un peu comme Maryse a fait allusion, j'ai encore des étudiants à qui j'ai enseigné 25 ans passés au secondaire, qui m'envoient des messages texto, qui m'envoient des messages Facebook régulièrement. Et j'adore ça. Ça a été une différence dans leur vie, même si je n'ai pas fait une pièce de théâtre avec eux. On a fait des problèmes de physique. Mais la façon que je créais des problèmes de physique les a sortis du cadre, je pense, normal de l'école et fait en sorte qu'ils s'en sont souvenus et peut-être qu'ils ont apprécié quelqu'un qui a un sens de l'humour un peu tordu comme moi pour continuer leur vie. Les sens donc, de définitivement, je recommencerai. Oui. Oui, je recommencerai. Puis moi, je te dirais que j'ai eu la chance, le privilège de voir l'éducation aussi du côté de la formation des enseignants. Et donc, c'est vraiment une continuité par rapport à être enseignant. Maryse parlait d'être conseiller pédagogique. Je pense que ça s'agence tout dans la même idée qu'une fois qu'on a décidé de devenir enseignant, c'est pas ça qu'on va faire du premier jour au jour de notre retraite, mais on est capable de prendre des parcours très, très différents, très variés à l'intérieur du secteur d'éducation pour essayer de faire la plus grande différence qu'on peut, soit auprès des adultes quand on garde notre impact sur des enseignants ou auprès des élèves. Mm-hmm, tout à fait. Oui, merci beaucoup. André, en une minute, votre amour pour l'enseignement, ça se concrétise comment? Moi, ce que j'aime comme prof d'université, c'est d'accompagner mes étudiants parce que j'ai surtout des étudiants qui font des thèses avec moi. Parce que je sens réellement que je les aide à avancer puis à s'ouvrir au niveau de la carrière. J'aime beaucoup ça. Et ça, je pense que ça s'adapte, ça s'adapte à n'importe quel niveau d'enseignement, que ce soit au niveau élémentaire, secondaire, à l'université, à la maîtrise, au doctorat. C'est le d'accompagner quelqu'un dans son cheminement pour évoluer, pour grandir. C'est ce que j'aime le plus. Des fois même, je trouve que d'écrire des articles scientifiques, c'est complètement futile parce que personne ne lit ça, sauf parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais je voulais juste dire une chose à Maryse. Pour attirer 30 secondes. Tu aurais dû ouvrir tes stores. On aurait vu toute la beauté de la rivière des Outaouais. Là, les gens auraient voulu aller enseigner à L'Orignal. Ouvre tes stores. Vous êtes sur le bord de l'eau à L'Orignal, Maryse? Je vais vous décevoir. Je suis présentement à Chennai, qui est dans le coin d'Hammond, Rockland. Chennai, fait qu'il n'y a pas de plage derrière moi. Okay. Ben, il aurait pu mettre une photo. Oui, j'aurais pu. Désolée, prochaine fois, je m'engage, je vais mettre une photo. C'est parce qu'on n'est pas en Zoom. C'est pour ça. J'aimerais souligner que Marco s'est levé deux fois pour aller rallumer ses lumières. Alors, bravo aux gymnases d'école où les lumières s'éteignent à tout bout de champ. C'est tout pour nous, chers camarades. Merci beaucoup d'avoir été là. André Sanson, de l'Université d'Ottawa, merci beaucoup. Serge Demers, de l'Université Laurentienne, merci énormément. Maryse Legault, du CSD-CEO, merci. Et Marco Smith, du Conseil scolaire du Nouvel-An. Merci énormément d'avoir été là. J'espère que ça a répondu aux questions de beaucoup de gens et que ça a allumé des étincelles et des passions chez plusieurs d'entre vous. On vous invite à consulter le site enseignerenfrançais.ca pour avoir plus d'informations. Et on va mettre sur ce site-là l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez le réécouter avec du popcorn, binge-watcher toutes les causeries virtuelles, vous pouvez le faire sur le site Internet. Si vous avez d'autres questions, allez aussi sur le site enseignerenfrançais.ca. Dans la section « Nous joindre », vous verrez les adresses courriel de Suzanne et Robert. Ce sont les deux grands manitous de la campagne « Enseigner en français ». Ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. La prochaine causerie aura lieu le 28 janvier et ça s'adresse aux étudiants et étudiantes des facultés d'éducation dans les universités d'ailleurs au pays. Donc, on veut les voler là-bas puis les amener ici. C'est ça qu'on fait, nous autres. Je m'appelle Vincent Poirier. Merci à tout le monde d'avoir été là. Pardon. Et bon cheminement dans vos choix de carrière. Bye, tout le monde.